Pour la présentation d'un jeu que j'ai reçu des éditions Dervich et très Daniel, euh, il s'agit du nouvel oracle de Mademoiselle Lenormand, la Sibylle des Salons de Jabdebourg. de Voilà, euh, franchement, je le trouve très très chouette. J'adore euh, le style des illustrations. On va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Inspirée par la célèbre Mademoiselle Lenormand, la Sibylle des Salons est un outil de divination ancien des plus appréciés. Incontournable dans les salons du... au XIXe siècle, cet oracle présente des illustrations dont le symbolisme puissant favorise l'intuition. Ce coffret contient 52 cartes superbement revisitées par Yap de Bourg avec des aquarelles à l'ancienne. Un livre d'accompagnement vous propose les interprétations des cartes ainsi que les différentes méthodes de tirage proposées à la Sibylle. Les messages de la Sibylle sont intemporels, ils vous guideront au quotidien et vous permettront de trouver les réponses à vos questions afin de continuer votre chemin en toute confiance et sérénité. Donc, dans ce coffret, il y a 52 cartes illustrées à l'aquarelle et un livre de 152 pages en couleur. Il est au prix de 24,90 euros. Et vous le trouvez partout, euh, Amazon, Fnac, Cultura, certainement dans les librairies, euh, etc. Voilà, voilà. Donc, la boîte est assez petite. Hein. Ce n'est pas une, une énorme boîte euh, comme on, on y sait faire parfois. Elle a une petite taille. L'intérieur est comme ceci. Les cartes, je les... il n'y a pas de pochon par contre. Les cartes arrivent comme ceci. Bon, ils étaient avec un, un lien, hein. vous savez les liens en carton euh, que j'ai enlevé. L'intérieur de la boîte est comme ceci. On a le livret. Je vais déjà attraper une carte de tarot pour vous montrer parce qu'après j'ai oublié la taille des cartes euh, par rapport à un tarot. Bah, je dirais, euh, elles ont la hauteur d'un tarot, mais elles sont un peu plus larges. Voilà. C'est pas les grandes cartes oracles non plus. Et euh, franchement, j'adore les illustrations. Mais on va d'abord regarder du coup euh, le guidebook qui est super chouette hein, sur du papier glacé. Comme ça, franchement, j'aime beaucoup. Il est vraiment bien fait. Alors, ici, j'aime bien on a un petit timbre. C'est bien fait. La Sibylle avec cette vieille plume ici, c'est très joli. Alors, si ce n'est si impossible, alors cela se peut. Hein, j'adore. Alors, on a le sommaire avec un peu d'histoire, quelques méthodes de tirage, du coup, les cartes. Et ensuite, on a les combinaisons. C'est sur un, un, papier, un, un papier un peu effet vieilli comme ça. C'est très agréable. Donc, ici, on a un peu d'histoire. Ben, on, va, on va vous expliquer d'où vient euh, ben, la sibylle, justement, euh, des salons. Hein. Euh, bon, je vous en ai déjà présenté un autre. Hein. Donc vous connaissez, vous avez peut-être retenu ce que je vous ai dit dans l'autre, hein, que c'était bah, très populaire à l'époque euh, du 19e siècle. Et euh, ce serait un jeu euh, bah, qui serait euh, descendu, enfin qui aurait été fait par une des adeptes de Mademoiselle Lenormand, justement. Voilà. Euh, bah, voilà, ici je vous explique un petit peu tout. Il y a une bonne partie, hein. il y a même une photo ici de la révolution enfin l'histoire euh, elle, elle est bien elle est bien étoffée hein? voilà donc ici euh, on a une petite photo on a quelques méthodes de tirage du coup les six mobiles c'est original ça battez les lames coupez les puis faites les couper coupez les puis faites les couper sortez 34 cartes face cachée vous avez ainsi devant vous cinq rangées quatre de sept et une de six compter 4 cartes et retourner la cinquième et ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. Ah oui, ok, on fait 1, 2, 3, 4, on retourne la cinquième. Puis on continue 1, 2, 3. Non, on la compte avec alors. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, d'accord. Jusqu'à la fin. Et après, on interprète ben, les cinq qu'on a retournés. C'est original aussi, ça. Le cercle magique. Le cadran. Avec au mieux la carte du consultant, voilà. Et alors ici on a les cartes. On retrouve Il... je vais y arriver, <laughs> l'illustration de la carte ici en couleur, voilà. On a son numéro et eh ben, forcément le titre hein, qui est écrit euh, ici avec la plume. Je suppose que là au-dessus c'est euh, le signe de cartement aussi associé. Oui voilà ici. Je vérifiais avec la carte si c'était bien ça, mais oui, on a le signe de cartomancie associé du coup. Et ensuite, on a endroit et en droit et la signification en droit en renversé. Et alors, on a ici par exemple avec le set de pique, danger écarté. On a à chaque fois une petite, euh, bah, une petite association. Voilà. Et à la fin, on a des combinaisons. Voilà par exemple grande chance euh, ce sera euh, si vous avez cette combinaison ci et si par contre elles sont en renversée, un affront. Et si il y en a plusieurs, du coup. Franchement, j'aime beaucoup. Je pense... J'étais sceptique. Comme j'avais tellement euh, bah, aimé l'autre que je vous ai euh, présenté, je me suis dit, bon, celui-ci, à mon avis, je ne vais pas trop aimer. Et finalement, si, parce que les, les illustrations sont tout à fait différentes. Vous allez le voir avec moi. Et franchement, j'aime bien aussi. Et ici, voilà, illustration de Yap de Bourg. J'aime beaucoup les illustrations, justement, euh, bah, du jeu. Vous allez voir. C'est un petit côté ancien, mais avec un petit côté euh, BD en même temps. J'aime beaucoup. Donc, ici, on a le dos qui est totalement réversible, hein, endroit en vert sans problème. Les tranches neutres. La taille, je vous l'ai montré. Euh, la qualité, elles sont super épaisses. Hein, et elles ont un fini euh, mat, mais avec un petit fini brillant tout de même. Donc, on va découvrir ça ensemble. Donc, ici, on a le signe de cartomancie. Et l'on l'ont remis euh, en fond, derrière, euh, mais elle euh, moins, euh, moins, est moins visible que là. Donc, ici, on a le protecteur. J'adore les illustrations. Franchement, elles sont trop jolies. L'ami sincère, regardez. Oui, bon, je vais mettre pause, je vais laisser Garfield sortir. Sinon, il va miauler. J'allais dire aboyer, ah, oui, tout va bien. Sinon, il va miauler toute la vidéo. Je reviens. Me revoilà. Donc, je disais l'ami sincère. Le flatteur. Et j'aime beaucoup les, les visages, en fait, des personnages. Le succès. Les présents, regardez. Il y a vraiment un côté BD, je trouve, dans, dans les illustrations. Et elles font quand même ancien le dépit. J'aime beaucoup, franchement. Un peu d'argent. Oui, oh, la sacane sur le billet. L'ennemi, bon lui, euh, clairement, euh, on n'a pas trop envie de l'avoir comme ami. Hein. Vu sa tête, on a tout de suite compris qu'il n'était pas des plus sympathiques. La victoire, elle crase le serpent. On dirait qu'elle l'a dompté. Partie de campagne. Un petit pique-nique. L'espérance. Très jolie aussi. Monte la lumière au bateau. Fidélité et attachement. Regardez-moi son visage. Franchement, je trouve ça trop joli avec ses bottes. J'adore. Beaucoup d'argent, ouais, lui, on le voit qu'il manque de rien. D'ailleurs, il est de Dieu, hein. Il a son cigare, ses billets qui débordent partout. Euh, on ne sait pas rater qu'il a de l'argent. Le militaire en uniforme. Je trouve qu'il est très parlant aussi, d'ailleurs. Et la méchante femme, elle a vraiment pas l'air sympathique. Elle a un corbeau là. Et ici, c'est un rat ou un chat noir Un rat Je ne sais pas. Enfin voilà, elle a une tête qui n'inspire pas la gentillesse, ça c'est sûr. Le voleur. Le voleur qui est quand même bien voyant, hein. Pour un voleur. Voyage. Avec les palmiers. Contrariété des plaisirs. On voit ici, à mon avis, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. L'empêchement. Avec le cheval, il est trop marrant. Bon, on voit, la barrière est fermée. Hein. Les caquets. On voit qu'ils sont en train de comérer, là. L'absence. Ici, bon, elle a l'air de guetter. Elle a une larme. Elle a l'air de guetter l'arrivée de quelqu'un. Bon, et vu qu'il y a une photo ici, on suppose que ça doit être son mari. Réconciliation. Révélation importante dans les journaux, évidemment. Le consultant. Ah non, je croyais que la consultante était tout près, mais non. Il est là avec son impère là. Très classe. Plaisir et divertissement. Une lettre. Rentier, le rentier. Ah bah, J'aime vraiment beaucoup les illustrations aussi. La tendresse. La visite. Le, les chevaux, euh, ils me font penser euh, au cheval de Lucky Luke. Je ne sais pas pourquoi. La tente. Moi, j'admirais ces, ces magnifiques robes hein, à cette époque-là. La surprise. Une blonde, toute jolie. Regardez son visage, fait vraiment bande dessinée. Franchement, j'adore la rêverie, l'amour, le mariage avec la mariée, la maison de ville, la consultante. Elle aussi a aussi un long manteau. Wow, quelle robe La maison de campagne. Billet doux. Belle robe aussi. L'homme de loi. Une veuve. Un jeune homme brun. Chagrin et larmes. Bon, ici, on a clairement euh, l'impression qu'on lui a apporté euh, euh, un, une lettre qui disait que son mari, comme elle tient son bébé, serait peut-être décédé à la guerre. Hein, avec le soldat. La mort. La maladie. Les querelles. Ou la querelle, Avec ses fameux, ses fameux vestes en queue de pie. Je crois que c'est comme ça qu'on appelait ça. L'inconstance. où elle n'a pas l'air de bon poil, comme on dirait. Perte d'argent. Ah, ici, on a l'impression, vous savez, les petits qui il y avaient un jeu, comme ça à l'époque, ils faisaient rouler une pièce avec un bâton. Et à mon avis, elle a dû valser dans les goûts. Une brune. Très joli aussi. Le piège, regardez, on le voit qu'elle est fâchée. Et ici, on a ce renard. Il a, lui, il a la langue jusque par terre, le pauvre. Les joueurs. Ça me fait penser euh, à la scène avec Anthony dans Bridget, euh, les Bridgerton, quand ils jouent justement euh, dans un club là où il y a des jeux euh, d'argent. Et les retards. Regardez-moi ça. Comme elle est belle cette carte. Franchement, moi j'aime vraiment. Ben, C'est une belle découverte. Parce que je ne crois pas que je l'aurais acheté. Parce que j'avais une appréhension de me dire que j'avais tellement adoré ben, l'autre que je vous ai déjà présenté. Que je m'étais dit que celui-ci, j'aimerais moins. Et finalement, j'adore les illustrations. Vraiment! Euh, il se mélange super bien. Donc au final, bah, si vous voulez mon avis, ne me demandez pas lequel des deux je préfère parce que j'aime les deux. J'aime le côté authentique de l'autre et j'aime le côté euh, des illustrations ici. Donc j'aime les deux, donc je garde les deux. Voilà, vous l'aurez compris. Mais vous dites-moi du coup dans les commentaires si vous avez une préférence pour celui-ci, pour l'autre, si vous aimez ceci, l'illustration ou si vous n'aimez pas. Euh, je sais que, que tout le monde n'apprécie pas ce genre-là d'illustration. Il se mélange très bien. Il glisse très bien aussi. On va en tirer une et je vais vous lire euh, ce qui est écrit. Euh, ah, le protecteur, je tire la première. Je vais vous lire du coup ce qui est écrit euh, bah, dans le livret comme ça. Vous voyez un petit peu ce que ça propose. Ouais, le protecteur ici. Donc, si vous l'attirez en droit, le protecteur est un garde, une protection. Un homme loyal d'un certain âge qui vous apporte confiance et soutien dans vos actions. Il peut parfois s'agir d'une autorité comme un parent, mais c'est justement au père que je pensais, moi. Alors, si elle est renversée, c'est une personne dangereuse autour de vous qui décide de nuire à vos projets. Si le consultant est une femme, elle risque de perdre son ami. Si elle est associée avec le 7 de pique, les dangers sont écartés. Voilà, comme ça vous avez une petite idée euh, des messages qu'il peut délivrer. Franchement, ben, c'est une très très belle découverte. Moi, j'aime beaucoup. Euh, Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aimez cette version ou si vous n'aimez pas trop, euh, si vous trouvez que les illustrations sont chouettes, euh, si vous aimez le dos, si moi j'adore le dos. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous